today. There's no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. À l'écran. Ouais, pas mal. Quoique, il n'y a pas grand-chose à voir. Bien. Passons au test de fonctionnement. On va commencer par le calibrage des systèmes électro-optiques de visée. Sam, je vais afficher une cible virtuelle. Essaye de la suivre visuellement. Si les commandes sont inversées, dis-le-moi, et je réajusterai les capteurs optiques sensoriels. Je sais que ça commence à me faire chier. Encore combien de fois vous allez me faire faire ça? Vous devez maîtriser les bases. Ce n'est pas parce que vous avez lu le mode d'emploi que vous savez forcément tout faire. C'est vrai, mais je sais ce que je fais, donc passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour aujourd'hui? Écoute, je sais que tu as hâte d'aller te prendre un verre, mais on a encore plein de choses à voir. Je te passe les commandes. Tu sais que ça commence à me faire chier. Encore combien de fois vous allez me faire faire ça? Vous devez maîtriser les bases. Ce n'est pas parce que vous avez lu le mode d'emploi que vous savez forcément tout faire. C'est vrai, mais je sais ce que je fais, donc passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour aujourd'hui? Écoute, je sais que tu as hâte d'aller te prendre un verre, mais on a encore plein de choses à voir. Je te passe les commandes. Déplacez-vous en faisant des mouvements simples de rotation. Les actionneurs du squelette marchent correctement. Nous allons procéder à des tests sur la limitation du turbo. Activez-le quand vous voulez. Il surchauffe. Vous avez atteint le niveau maximal de performance de votre réacteur actuel. Le système de refroidissement de l'armure ne peut pas gérer un tel niveau. Ça provoque une perte d'efficacité, surtout au niveau des actionneurs du squelette. Je perds environ 30% de ma mobilité. 30%, c'est environ ce qu'on envisageait. Elena, allons-y avant que Frank ne nous fasse une analyse détaillée du projet. Oh. Système de tir. On commence les tests. Affirmatif. J'envoie la cible virtuelle. Nous allons régler l'accrochage de la cible. Les compensateurs de recul sont activés et fonctionnent normalement. Tu peux pas limiter le recul un peu plus?
Sam, ton arme n'est pas programmable, tu sais. Je sais. Je change de mode, Blade. Essayons de tirer avec autre chose. Nous essayons toujours de rajouter plus de configurations en mémoire. Vous ne pouvez pas simplement analyser tout ce qui se passe avec succès. D'ailleurs, essayez d'activer le radar. Ce truc détecte même les rayures sur les surfaces. Blade ne peut que reproduire ce qui existe, même les imperfections. Maintenant, passons aux extensions de grenades. Nous devons recueillir des données sur la performance des actionneurs. Je vais envoyer un objet afin de tester ta force d'impact. Nos amis du Pentagone nous ont généreusement prêté une toute nouvelle armure électromagnétique. Frappez-la autant que vous voulez, Sam. Réaction électromagnétique confirmée. Sam, attends un peu que le moteur électromagnétique générant la force de réaction refroidisse. Donc on ne peut pas frapper ce truc trop rapidement. Allez-y, et frappez-la à nouveau. Rien ne vaut un bon vieux coup de poing. Tu ne manques pas d'énergie à ce que je vois, Sam. Sam, nous avons programmé les résultats du test de votre système sympathique cérébral sur les émetteurs synaptiques de l'armure ARS afin d'augmenter vos réactions au combat. Se balader avec des électrodes toute la journée n'était vraiment pas agréable. Mais en contrepartie, ton activité synaptique sera accrue lors d'un vol risqué ou au combat. Arrêtez de vous chamailler, vous deux. Passons au test de fonctionnement de l'ARS. Dites-moi quand vous êtes prêt, Sam. Je me prépare à viser. J'ai fini d'installer le système d'activation manuelle que tu voulais. Le système se bloquera automatiquement s'il détecte un déséquilibre fatal de tes niveaux hormonaux dû à un usage prolongé. Très bien. Nous avons fini les tests pour aujourd'hui. Joli travail, Sam. Ces petits exercices m'ont creusé l'appétit. Elena, ça te branche un déjeuner à deux ?
l'ordre de l'étoile russe vous accueille pour l'inauguration du nouvel état russe. Mon ordre est à présent la seule autorité en Russie. Dans 10 heures, nous ferons à nouveau usage de notre toute nouvelle force. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher la destruction de New York. Rendez-vous de votre plein gré et sans résistance. Chers citoyens américains, une grande tragédie a eu lieu aujourd'hui. San Francisco aura du mal à s'en remettre, et la guerre vient encore de faire un grand nombre de victimes parmi nos hommes, femmes et enfants. Chaque Américain déplore grandement ses pertes. Quant à ceux qui ont commis cet acte scandaleux, nous leur disons encore, nous ne céderons pas devant ceux qui veulent nous détruire. Notre force n'a pas d'égal et notre volonté est de faire. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse les États-Unis d'Amérique. Providence est actuellement sous le contrôle de ceux qui sont responsables du coup d'État à Moscou. Nous pensons que le chef des opérations est un communiste du nom de Zaïtsev. Oh, j'oubliais. Voici Sam. La DARPA l'envoie pour travailler avec nous. Soldats, nous avons 8 heures pour faire en sorte que New York ne soit pas un autre San Francisco. Ne vous méprenez pas. Nous allons empêcher ce désastre de se produire. Nos amis n'ont pas l'air de te porter dans leur cœur. Les agents de la DARPA reçoivent leurs ordres de la présidente et du secrétaire de la défense. Ces types ne veulent que marquer leur territoire. Sam, n'oublie pas pourquoi on est là. Écoutez-moi un petit peu. Le gouvernement américain s'est fait trahir par l'un des siens. Vous êtes les deux seules personnes à qui je peux dévoiler cette information. L'armée russe prévoit d'utiliser le rayon énergétique à micro-ondes pour attaquer les USA. En tant que créateur de cette machine, il est de mon devoir d'empêcher cet acte de cruauté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous retrouverons le professeur. Cet endroit et même cette armure ont été conçus d'après ses plans énergétiques. Il est trop important pour être tué. Je sais. Et c'est sur ça que vous travaillez ? Pas même une égratignure. Vous êtes bien entraîné avant de venir ici, n'est-ce pas ? On a des logiciels de simulation très précis. Vous en avez du vécu, hein? Vous feriez un bon cobaye à la DARPA, vous savez. Oh, ça va pas ou quoi? Et il est interdit d'en griller une à bord. Ah!
Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez quoi, les tapettes? Vous êtes bouché ou quoi? Le contrôle total de cet endroit. Passez par l'entrée centrale! Je peux pas le traverser aussi facilement, chef! Tu vois la porte à gauche, Sam? Ouais. Si tu vas là-bas, tu devrais pouvoir attaquer l'ennemi par surprise. D'accord. Allez-y maintenant.
Le secteur des arrivées du quai d'atterrissage 3 se trouve droit devant. Il y a du grabuge dans le secteur des arrivées. Bravo! Avancez, mais restez à couvert! Merci! On va passer aux choses sérieuses. La performance de ton armure est nulle, Sam. C'est la première fois qu'une femme me dit ça. J'attendais un accueil moins explosif. J'attendais un accueil moins explosif. Je détecte des interférences sur les radars. On dirait un passage temporel. Tu crois qu'ils essaient d'infiltrer un truc ? Les renforts ennemis se rapprochent de ta position. Y a-t-il d'autres moyens d'aller là-haut ? On dirait que tu vas devoir employer la manière forte. L'entrée est ouverte maintenant. Bien. Allons-y. Les renforts ennemis se rapprochent de ta position. Y a-t-il d'autres moyens d'aller là-haut ? On dirait que tu vas devoir employer la manière forte. L'entrée est ouverte maintenant. Bien. Allons-y.
va bien. L'entrée principale est au-dessus de toi. Vas-y et ouvre-la. Burns, j'ai besoin de renfort. Franklin, Rios, escortez Sam. Tous les autres, couvrez-les. S'approche par l'arrière. Préparez-vous à intercepter les transporteurs ennemis. L'ennemi me bloque. Impossible de pirater. Une source de chaleur se déplace dans les fondations. Il me faut plus d'informations que ça. Je viens de terminer l'analyse des données. Il y a de fortes chances pour que ce soit le robot russe KNRB-0 Argus qui a été au centre du débat sur le contrôle des armes. Eh merde. Je crois que je vais avoir besoin d'une arme plus puissante. Un design monocoque. Ils ont privilégié sa capacité d'armement au détriment de son blindage. Donc sa structure externe devrait être vulnérable. Enfoiré ! Ah ! Ils ont toujours favorisé l'attaque à la défense. Frappons-les de toutes nos forces, ils le regretteront.